Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler du prochain meme coin qui a une possibilité d'être listé sur le grand échangeur des crypto-monnaies qui est Binance. Mais quelle est cette crypto-monnaie-là? Nous allons analyser ensemble certaines crypto-monnaies pour vous. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir l'information en temps réel, uniquement que sur ces chaînes, vous êtes en train de voir que nous allons faire une vidéo concernant le coup d'état, le lien des coups d'état avec les crypto-monnaies, les bases pour être un trader, oui, un trader professionnel, les bases. Nous avons parlé du groupe Wagner, nous avons parlé ici de la religion et les crypto-monnaies. Mes frères et sœurs, une vidéo à regarder, très importante. Sinon, vous allez vous mordre les doigts après. Donc, nous allons laisser cette vidéo, la religion et les crypto-monnaies, à la fin de cette vidéo, pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, afin de regarder et comprendre comment apprendre à faire la part des choses avec la religion et les crypto-monnaies. C'est important parce que les gens se perdent. Nous allons aussi parler de MT Gox, nous allons parler de Twitter X, nous allons parler aussi de Coinbase, nous allons parler des victimes des arnaques en crypto-monnaie qui tombent malheureusement encore dans les arnaques. Alors donc, avant de commencer la vidéo, nous allons parler de cette pensée du jour. On nous dit aujourd'hui, comme vous le savez, des pensées faites par quelqu'un pour gagner, pour la communauté cliquer pour gagner. Alors, simplement, mettre sa vie au service de d'autres vies et tu verras le résultat. Regarde, c'est important. Aujourd'hui, tu dois mettre ta vie, c'est-à-dire que ton savoir, au service de d'autres vies. Et quand tu verras le résultat, tu verras si ça vaut la peine de continuer ou ça ne vaut pas la peine de continuer. Aujourd'hui, plusieurs personnes ne font pas ce test-là. Plusieurs personnes ont des charismes, ont le don de certaines choses, mais ne veulent pas le mettre en application dans la vie de d'autres personnes pour aider ces personnes-là. Et après, diront que non, que moi, je ne sais pas, je ne pouvais pas. Les gars, nous devons essayer. Alors, mets ta vie au service de d'autres vies et tu verras le résultat. Donc, si le résultat est, tu vois que il faut comprendre aussi une chose. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer, de t'aimer. Ici, sur ces chaînes, plusieurs personnes regardent cette vidéo, les vidéos de Cliquez Moi-même, mais n'aiment pas cette tête qui fait les vidéos. Il y a ça. En fait, c'est comme cela. Donc, eux, on ne les force pas à aimer cette tête derrière cette vidéo. Non. C'est comme cela. Donc, si tu vois que ce que tu fais impacte une majorité de personnes, alors qu'est-ce que tu dois faire? Alors, tu peux maintenant essayer de prendre, comme vous le savez très bien, tu peux essayer de prendre le devant afin de pouvoir voir, ok, ce que je suis en train de faire, c'est bon. Ça aide. Ça aide beaucoup de personnes. Alors, je vais essayer de faire quoi? Je vais essayer de faire plus. C'est comme cela. Mais quand tu vois que ça n'impacte pas les personnes, alors tu es obligé de faire quoi? Tu es obligé d'abandonner. C'est comme cela. Donc, soit ça passe, soit ça casse. Après, à chacun de voir ce qui lui semble être plus intéressant. Donc, alors, nous allons parler de cette information. Coinbase, oui. Mes frères et sœurs, Coinbase, attention. Nous savons qu'aujourd'hui, les attaques, il y a plusieurs types d'attaques dans notre écosystème de la crypto-monnaie. Plusieurs types d'attaques. Et face à ces attaques-là, les gens ne savent pas comment s'y prendre. Oui, nous sommes en train de voir que la nouvelle blockchain de Coinbase qui a été mise en place récemment, qui est le Base, oui, le Base Chain, a décidé de mettre en place des systèmes de, je sais pas, pour monitoramento, c'est des systèmes pour surveiller, attention, des systèmes pour surveiller comment fonctionne l'écosystème, comment s'il y a un problème ici ou là. En fait, c'est important parce que aujourd'hui, le hacker, l'anarcheur cherche tous les voies et moyens. Je dis bien, il cherche tous les voies et moyens pour faire quoi? Pour voler les fonds dans le blockchain ou pour voler les fonds d'un projet X ou Y. Qui parle de vol de fonds parle de cette information. Attention, encore une information qui doit nous faire réfléchir. Cette information, c'est quoi? On nous dit qu'un échangeur qui souffre une attaque DMS et fait perdre quelques milliers à ses utilisateurs, quelques milliers de dollars à ses utilisateurs. C'est un échangeur décentralisé. C'est un échangeur décentralisé qu'on appelle Balancé, oui, Balancé, qui a perdu ces fonds-là. Et qu'elle a perdu ces fonds-là, on a remarqué que le hacker qui a volé les fonds là-bas a mouvementé les fonds
sur l'échangeur MEX Global. Alors donc, nous sommes, ils ont perdu presque 238 000 $ et ils ont mouvementé ces fonds-là sur MEX Global. Je crois bien que MEX Global va collaborer pour bloquer ces fonds-là. Ondulé Hacker a transféré 100 000 $ en token sur d'autres adresses et a transféré 25 000 $ sur l'échangeur MEX Global. Donc, je crois bien que les échangeurs doivent tant bien que mal s'unir afin de faire face à cette crise, oui, à cette crise qui est tant difficile dans notre écosystème. Donc, l'union fera la force, l'union des devanciers dans l'écosystème fera la force pour faire face à ces genres de problèmes et assurer la sécurité. Comme vous le savez, la sécurité à 100% n'existe pas, mais au moins une partie de la sécurité. Alors, une autre information que je dois partager avec vous concernant encore les hackings, les gars, franchement, ça fait peur, mais c'est une réalité. C'est une réalité en quel sens? Et nous sommes en train de voir que les hackers aujourd'hui ont volé des fonds, d'accord? Ils volent des fonds sur des sites ou sur des protocoles, etc. Bien qu'ils ont volé cela, ils continuent de voler encore. Parce qu'on dit les victimes qui sont tombées dans une arnaque, récemment, se font encore arnaquer dans une nouvelle arnaque. Non, franchement. Souvent, je me pose la question, mais où allons-nous? Où allons-nous concrètement? Franchement, on les a arnaqués, hein, et on les arnaque encore plus dans l'arnaque. Les victimes, c'est les victimes de Celsius, je crois bien, qui ont eu des fonds congelés à cause de l'effondrement de FTX. Maintenant, vous allez voir, ils vont recevoir peut-être certains messages ou certains quoi, je sais quoi, et ils vont dire, ah, si c'est comme ça, comme j'ai déjà perdu, je vais essayer de récupérer mes fonds qui sont perdus. En fait, c'est comme ça l'arnaque marche maintenant. Je vais essayer de récupérer mes fonds. Et donc, là maintenant, ils mettent encore un autre système d'arnaque en place ou de système. Et là, tu vas cliquer encore sur le lien, tu vas rentrer et là, tu vas encore perdre ton argent. Vous voyez comment la victime continue et continuera d'être toujours la victime. Parce que la victime ne veut pas apprendre de ses leçons. Nous qui sommes les victimes souvent de ces genres de choses, on ne veut pas apprendre. On se dit non, comme j'ai perdu, je vais tout faire pour récupérer. Et dans ce « je vais tout faire pour récupérer », tu perds encore plus encore. Donc, nous devons être très prudents, très vigilants pour éviter plus de casse qu'on a déjà eu. Alors, on va parler maintenant, le futur listing avant de parler de MT Gorsé et de... Eh oui, les gars, regardez très bien. Je suis sur le compte de Binance, d'accord? Je suis sur le compte de Binance. Et quand nous voyons sur le compte de Binance, nous voyons ce que Binance a mis. Binance a mis, ça c'est quoi même? C'est un petit chien ou bien sur un tapis de Binance. Ou bien le tapis, le logo de Binance ou bien ils ont fait un tapis, d'accord? Et on voit deux chiens. Mais ces chiens-là, ça ressemble à quel type de chien? Regarde très bien. Ça ressemble à quel type de chien? Mais je vois que ici on dit les filiotes, c'est les petits chiots, d'accord? C'est-à-dire qu'un petit chien, ou bien c'est la race de ce chien-là qui ne grandit jamais. C'est quel type de chien d'abord? Donc, d'abord, la première analyse, on va faire cette analyse en deux temps. La première analyse, on voit Binance, d'accord? On voit ce tapis et on voit deux petits chiens. Nous avons remarqué que les échangeurs ont l'habitude de faire ce genre de jeu, d'accord? Ils sont comme cela, ils restent et ils envoient des chiots et voilà, je sais pas quoi, voilà. Et on se dit, non, c'est bon, quelle est cette annonce-là? Qu'est-ce que Binance veut nous dire par là? Hein? Bon, on voit les petits chiots, d'accord? On voit les petits chiots. Donc, ça veut dire quoi concrètement, selon toi? Deux petits chiots sur un tapis de Binance. Qu'est-ce qui se prépare? Alors, quelle est la monnaie qui va être bientôt listée? Nous savons que Binance fait face à beaucoup de problèmes actuellement. Binance fait face à beaucoup de problèmes concernant les régulateurs aujourd'hui qui sont en train de donner des coups de fouet très durs, je dis bien très, 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 très durs dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Mais cela n'empêche pas à Binance de faire ce qu'elle veut faire, où elle veut faire et comme elle veut le faire. Alors, mes frères et sœurs, c'est vrai, ce n'est pas facile, mais il faut apprécier
ce qui est apprécié. Vous allez voir que Binance continue ses activités en Istanbul. Ils font certaines choses en Turquie, dans certains pays, ils organisent. Les gars, Binance n'est pas prêt pour arrêter face à tout ce qu'elle est en train de voir comme difficulté. Alors, la monnaie qui serait listée, avant de continuer, nous allons parler de cette information-là. Oui, cette information-là. MT Gox. Les gars, MT Gox, c'est l'échangeur en 2000, je crois bien. En 2011, si j'ai bonne mémoire, attention, qui a perdu, je crois bien, plus de 850 000 bitcoins. En ce moment, le bitcoin coûtait $300 ou $700 là. Je ne sais pas, 300 ou 100, je me rappelle. Il y avait les gens, les premiers dévanciers, avaient des bitcoins sur cette plateforme-là. Et cette plateforme a été créée, a été mise en place par un Français qui a immigré au Japon. D'accord? Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Un beau jour, on a vu que cette plateforme a perdu tous ses bitcoins. On ne sait pas si elle a perdu ou réellement. Le hacker a volé ou c'est eux-mêmes qui ont décidé. Mais aujourd'hui, dans les caisses de MT Gox, on a encore un peu plus de 140 000 bitcoins sur les 850 000 bitcoins qui sont perdus. Mais en ce moment, le bitcoin était à un prix moindre. Maintenant, les gens qui ont perdu cette somme d'argent-là sur MT Gox, on leur dit simplement qu'ils vont commencer par leur payer. Il y a, je crois, il doit y avoir 24 000, un peu plus de 20 000 personnes qui ont perdu leur fonds là-bas. Donc, on dit à partir du 31 octobre 2023 à 31 octobre 2024, ces personnes-là seront, on va leur repayer leur fonds. Mais on va leur repayer leur fonds sûrement pas en la quantité du bitcoin qu'ils ont, mais à l'équivalent de la somme, je crois bien, de la somme qu'ils ont. Exemple, si tu avais 4 bitcoins qui faisaient $1,000, alors on va te donner $1,000 USDT. Je donne un exemple, je donne juste un exemple comme cela. Donc, peut-être aujourd'hui, ces personnes-là ont perdu la quantité du bitcoin qu'ils ont, mais ils ont gardé, ils auront la valeur. Donc, vous voyez comme des fois, le bitcoin est, ils sont des values, est très importante. La quantité de bitcoin est importante sur la durée du temps. Dépendra de ce qui pourrait arriver avec le bitcoin. Alors, je pense que vous avez compris. Alors, on va parler de X. Les gars, vous savez, X, c'est quoi? C'est encore Twitter. Ceux qui ne savent pas, c'est encore Twitter. Je vais revenir sur le prochain bitcoin qui serait listé après avoir fait cette analyse. Je vais revenir tout à l'heure. Donc, on va parler d'abord de X. Alors, mes frères, c'est X. Nous sommes en train de voir X qui est l'ancien Twitter. Le show de X qui est de Twitter nous dit ceci. Ils sont en train d'intégrer, d'avoir l'autorisation pour intégrer les paiements sur la plateforme. Vous savez, X qui est Twitter aujourd'hui veut devenir une all-in-one, c'est-à-dire que tout en un. Tu peux voir les graphiques, tu peux faire le trading, tu peux garder tes cryptos, tu peux garder tes avoirs, tu peux voir les notices, les informations, tu peux faire les lives, tu peux envoyer les textos, tu peux donc. En fait, X veut devenir la version complète que Facebook n'a pas pu être, que YouTube n'a pas pu être, que TikTok n'a pas pu être. Donc, X de Twitter, bien sûr, veut devenir cela. Donc, et nous savons qui est derrière tout cela. Nous savons que c'est Elon Musk. Et qui parle de Elon Musk ne peut pas parler de la monnaie Dogecoin. Parce que le Dogecoin, c'est la pépite des pépiteurs. Le meme coin, le premier meme coin où Elon Musk a été séduit par ce meme coin-là. Sûrement parce qu'il connaît certains responsables de ce meme coin-là. Et il a adopté cela. Et c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc, on peut être surpris à tout moment. Alors, quel est le prochain meme coin qui serait listé sur Binance? Attention, on va prendre ce post et on va lire certaines choses. Baby Doge, d'accord? 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 Baby Doge, et ça, Baby Doge. Mais pourquoi Baby Doge? Au fait, c'est la question que je me pose. Si je prends ce post, ce n'est pas l'équipe de Binance qui a fait, c'est un utilisateur comme ça qui a fait. Qui poste de temps en temps, quel est le prochain meme coin qui serait listé sur Binance? Et on voit aussi Binance qui envoie deux petits chiens sur le tapis de Binance. Et qu'on voit une fois de plus. D'abord, avant de continuer, mettons une pause. Mettons une pause. Tu n'as pas encore donné j'aime à la vidéo. Donne j'aime à la vidéo rapidement. Merci beaucoup pour les gens à la vidéo. Et si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi et n'oublie pas une chose. Active toutes les notifications ici pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, je reviens encore. On va voir rapidement Baby Doge. On va voir rapidement Baby Doge. Rapidement, on va voir. Mais Baby Doge, Baby Doge. Mais pourquoi Baby Doge à tout moment? Pourquoi Baby Doge à tout moment? Et
quand nous voyons rapidement ici, nous voyons une chose. Baby Dog est arrivé à 2 millions d'utilisateurs. Mais qu'est-ce que les échangeurs cherchent concrètement? Les échangeurs crypto comme Binance cherchent à avoir plus de personnes utilisant leur plateforme. Et si Baby Dog a 2 millions d'utilisateurs et à chaque fois qu'elle fait un tweet, hein, elle a un peu plus de 1000 retweets, environ 1000 retweets, hein, alors ça veut dire simplement que si Baby Dog apprend ou bien est vraiment actif, peut-être elle pourra gagner ce listing sur Binance. Mais pourquoi ne gagne pas ce listing sur Binance? Il y a plusieurs facteurs. D'abord parce que Baby Dog aujourd'hui avec son total supply est exorbitant. Mais rappelez-vous très bien, ceux qui se rappellent et ceux qui ont une bonne mémoire, Binance a listé Pepe. Or, Pepe n'a pas 2 millions d'utilisateurs sur Twitter. Pepe a juste des investisseurs. Mais Binance l'a listé. Binance a listé Floki Inu récemment parce que Elon Musk a décidé de faire quoi? A décidé de parler de Floki Inu. Et Floki Inu, jusqu'à présent, n'a peut-être a dépassé le cap d'un demi-million d'utilisateurs sur Twitter. Et quand on prend Baby Dog, on voit que Baby Dog aujourd'hui a réuni toutes les caractéristiques. Elle a réuni toutes les caractéristiques. Mais il y a quelque chose qui manque à Baby Dog. Il y a quelque chose qui manque beaucoup à Baby Dog. Beaucoup. Énormément. Et j'ai remarqué aussi quelque chose que Baby Dog avait l'habitude de faire et ne fait plus. Attention, Baby Dog avait l'habitude de faire quelque chose mais ne le fait plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Sûrement, peut-être tu n'as pas prêté attention. Alors, si tu veux comprendre qu'est-ce que Baby Dog faisait et a arrêté de faire, clique sur le premier lien de la vidéo. Tu serais redirectionné sur le lien de notre cours. Et après, tu vas payer notre cours et tu auras accès à un groupe fermé. Il y a déjà plus de 1607 personnes. Là-bas, je vais faire une analyse complète de ce que Baby Dog faisait et elle a arrêté de faire. Uniquement aux membres VIP. Donc, si tu veux être membre VIP, mon frère, ma soeur, clique sur le premier lien afin de pouvoir remplir le formulaire. Ou, si possible, si tu as déjà rempli le formulaire, tu peux payer en tranche les 100 dollars là. Tu peux payer en tranche les 100 dollars là en écrivant sur le numéro plus 228 97 04 48 07. Écris à ce numéro WhatsApp. Plus 228 97 04 48 07. Quand tu écrivas ce numéro WhatsApp, tu recevras les instructions pour payer ton cours en tranche afin de nous rejoindre dans le groupe VIP. Parce qu'on a un groupe d'investisseurs fermé. À eux, je vais dire ce que Baby Dog faisait et elle a arrêté de faire. Et aussi, continuer l'analyse là-bas pour les membres VIP qui sont VIP. Alors, donc, si tu n'es pas encore VIP, mon frère, tu rates beaucoup de choses. Viens nous rejoindre là-bas et saisis l'opportunité qu'on te donne de payer en tranche afin de pouvoir faire le coup de cliquer pour gagner, avoir le mental bien solide, te préparer psychologiquement, avoir les bonnes stratégies et comprendre comment fonctionne l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, les membres VIP, on se dit à tout à l'heure dans le groupe pour la suite de cette analyse. À la prochaine vidéo pour vous et ciao!